Vous avez excité des raptors? Patron, un gars qui passe une raptor et qui il explique le Arrêtez raptor. d'exciter les raptors, putain. Ils sont intenables. Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui, trop cher, mec. Et ouais, parce que ce format, il est beaucoup trop cher. Tout ce qu'il a fallu ouvrir pour récupérer des petites mythiques, là, c'était délirant. Ouais, c'est dur. C'était délirant. Et comme tu le dis, c'est pas le deck le plus cher, lui. Non, non, c'est Mais en clair. fait, comme on a crafté d'autres trucs, Bah ouais. bah ça coûte cher, quoi. C'est assez compliqué et c'est un des rares Délirant. formats où tu vas manquer plus de mythiques que de rares, en fait. Oui. Parce que toutes les special guests, c'est des mythiques. La plupart Et des très oui. très bonnes cartes de construit, c'est des mythiques, soit Nécrodomination, Nécrogoïf. Ces cartes-là, c'est des mythiques, donc c'est pas facile. Ce deck-là, il fait quoi? Ce deck-là, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec Sorin et pas Uro. Non, non, du tout. Et non. Sorin, c'est vraiment parce que tu peux extorquer, que tu Et as plein de oui. cartes et que tu peux le transformer de manière accidentelle avec ta Shaman. Il joue avec. On joue avec Nécrodomination, donc qui est une version de Nécropotence, du coup, alternative, un peu moins forte, mais pour le jouable plutôt en moderne, du coup, qui permet de passer notre étape de pioche. Ça, c'est super bien, parce que c'est chiant de piocher tous les tours. Mais au début de notre étape de fin, on peut payer n'importe quel nombre de points de vie pour piocher autant de cartes. On ne peut avoir que 5 cartes en main au maximum, et ça exile les jetons et les cartes qui devraient être mis dans notre cimetière pour éviter de faire des combos un peu débilus. Avec ça, du coup, on va essayer de jouer des spells gratuitement pour pouvoir se vider la main, parce que sinon, on va être bloqué par nos manas évidemment, et du coup piocher plein de cartes, c'est pas très intéressant. Donc on va jouer des chagrins, on va jouer des flamboiements de malice, des MDEC aussi. Bon, ça faut les payer, mais ça peut être ou des landes ou bien des spells pour aller un petit peu besogner le terrain et la main adverse, tout ça. On a Messe Noire qui n'est pas légal en moderne, qui nous permet de faire n'importe quoi pour faire Nécrodominance très early dans la partie. On a le plan Scam toujours avec chagrin, réanimation ou troll réanimation. Pour taper l'adversaire, vous l'aurez compris, c'est assez fort en moderne, c'est assez fort du coup en timeless, ce plan scam, et du coup on le retrouve dans beaucoup de decks dès qu'il y a du Ben, noir. en moderne, il y a vraiment que Rakdos Scam qui joue le plan Scam parce que Reanimate n'existe pas. Ouais. Mais Oui, par mais contre. c'est un plan qui est fort. Ah oui, c'est un Dans plan. le deck est fort, Oui, quoi. mais je veux dire, en timeless, on splash ce plan-là un peu dans plein de decks, Parce que alors c'est qu'en plus moderne, il simple, n'y a que Rakdos qui le fait, quoi, en ouais. Ouais, soi. effectivement, parce que réanimation, c'est juste une carte très puissante. C'est ça. On joue aussi Marche du Chagrin, qui est pas vraiment gratuit, mais qui coûte qu'un mana noir, on va dire. Pour pouvoir gagner des points de vie. Ça marche très bien avec Sorin. Et puis Sorin, avec tous les spells gratuits, c'est très bien. On a du mana pour pouvoir extorquer justement et le retourner. Puis gagner des petits points de vie avec les foods qui nous permettent de piocher des cartes avec la Nécro-Domination. Tout à fait. Voili-voilou, mana base très simple, on n'a pas beaucoup de terrain. On cherche juste à cheater un petit peu du mana avec Tour Phyrexian potentiellement. Et Château de Loctuin, bah, qui permet de piocher tous les tours sous Nécro-Domination, éventuellement si on a besoin de piocher dans le tour et pas à la fin du tour. Ouais. En side, on a 4 saisies dépensées, évidemment, on joue du noir, donc on a les saisies, mais qui sont en side. 3 Ashiok Brouilleur de rêve qui permettent d'empêcher les adversaires de chercher dans la bibliothèque et qui aussi exilent leur cimetière, donc ça peut être sympa. Et ça les meule aussi. Droit à la gorge, anti-bête, plus du perturbateur, on connaît. Éliminer du vide, on connaît aussi, ça exile le cimetière adverse. Et c'est parti! C'est parti. J'ai eu peur. En En Timeless timeless. BO3 Ladder, jouer, trouver un match. Classement. Alors faut savoir qu'en Flip. moderne, ils ont des possibilités encore plus folles avec Nécrodomination. Il y a notamment un deck qui a gagné le showcase sur MTGO, le MTGO Challenge, pardon, sur 120 joueurs en jouant. Vas-y, tu peux lancer. Et j'ai un truc à dire Avec pendant que plein je lance. de. Ouais, non. T'inquiète, avec plein de spells gratuits, notamment des spells qui te demandent de recycler des, enfin d'exiler des cartes de ta main pour pouvoir les jouer gratuitement, des cartes ce genre de Cold Snape par exemple. Ouais, les vieilles cartes, ouais. Et ouais, pas mal de vieilles cartes. Et ce qui fait que du coup tu pioches beaucoup avec ta Nécrodominance. Mais en fait, tu t'en fous d'avoir une limite de cartes dans ta main parce que tu vas utiliser tes cartes dans ta main pour jouer tes cartes gratuitement. On peut Carrément. pas le faire en timeless, par contre nous on a Messe Noire. Évidemment. Pendant qu'on regarde notre point de départ, merci beaucoup au sponsor Playing by Magic Bazaar. Code VALAIPL 2024 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à tous et merci à Ultimate Guard, lien d'affiliés dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous faites vos achats, ça nous soutient, ça leur montre que vous nous soutenez via ce lien et ça fait plaisir. N'importe quel produit Ultimate Guard, ton préféré. Les Magnetic Card Case, j'adore. Voilà, le Sleeve Katana pour ma part ou les magnifiques deckbox, surtout celles avec le skin japonais. On a réanimé, on n'a pas tout quoi scammer, on a une bête pas ouf. Je crois que c'est un mulligan. Ouais. C'est mieux. C'est mieux. Moi, ouais, c'est bien. Ouais, c'est un peu lent, mais c'est mieux. Qu'est-ce qu'on enlève? Je crois que tu peux enlever anéantir les profanes, probablement, et garder le reste de ta main, ouais. On peut faire un marais troll. Ouais, et puis si jamais tu trouves Reanimate, tu auras le choix de réanimer Troll ou Chagrin. Et tu peux aussi Messe Noire Nécrodomination.
C'est pas mal, on s'en sert pas de suite par contre. On Non, mais perd une pioche. c'est setup. Mais c'est setup. Parce que je peux aussi mes noir. En fait, dès que j'ai un mana noir up, je peux le faire. Qu'est-ce que ça fait si jamais tu fais Messe Noire Nécrodomination le tour d'après? Tu vas pouvoir faire Maître Archer Orc en... et Chagrin Non. en exilant ton troll et derrière tu repioches juste toute ta main avec Nécrodomination. Ouais, donc je le fais maintenant Je plutôt. pense, Ouais. ouais. En tout cas, je testerai comme ça, moi, pour commencer. Zou. Ah, je peux déjà Tu chagrin là, en peux déjà vrai. Chagrin maintenant, en fait. Chagrin sur le troll Sur le troll, ouais. et puis basta. J'aurais pu chagrin d'abord, du coup. Mécanique particulière, hein, ce deck-là. Waouh, mec dit The Pire? On est Je où là? pense que malheureusement on est dans le problème de budget du timeless. Sachez que moi j'ai joué en timeless hein, avec mon compte, vous pouvez voir les rediffs. Hein. Jamais je taxe un. Hein, normalement. Là on est sur mon compte, hein, mais jamais je ne tag. Mais je pense que c'est un gars qui a pas Et oui, je comprends, parce que t'as pas les le deck est ous trop pour cher. jouer. Je vais enlever un contre. Que le reste on a le temps. Ouais, vas-y, enlève-lui le contre. Bah écoute, tant mieux, un adversaire Ouais, qui a ouais. pas l'air très très méchant finalement. Bah parfait. Nickelus. Bon, je pense que c'est Nickelus. pas mal fort ce qu'on va faire. Ah oui, putain. Ah non, J'allais mais faire tu. suivant, parce T'as pas le droit de que... piocher. Oui, mais je savais pas que ça me passait. Ok. Je croyais qu'il y avait un stop. Fondrière, je pense. Ouais, tu vas le scammer Quoique... ou tu joues ton. Bon, je... Ah oui, il fallait la jouer avant. Je suis un mongolien. Pourquoi? Parce que ça m'a exilé. Ah, ça te l'a exilé, bien vu. Je l'ai dit, en plus. Bien vu, bien Je vu. l'ai dit. Bah, du coup, je vais jouer ça, oui. Ok. Main phase. Bon, on réanimera ses cartes à lui, c'est pas grave. Oui, ça marche sur ces cartes. Mais... Et du coup, j'aurais dû discard ça. Et oui, c'est pour ça qu'il fallait scam Il d'abord. fallait d'abord scam. Après, on pensait pas scam ce On tour-ci, mais n'a ouais. pas bien calculé, on n'a pas bien fait notre tour. C'est pas très très grave. Ouais, il va pas pouvoir trop piocher sur Maître Archer Orc, que je crois que tu peux juste faire tour Phyrexian Shieldred. C'est bien, non? Ouais, moi je trouve ça délicieux. C'est vraiment genre s'il pioche, il est doublement puni. Ah ouais. Il est puni de fou. Et par contre, toi, tu vas gagner 1 milliard de points de vie. Ouais. Shieldred avec ça, c'est zinzin. Pas Ouais. d'attaque, évidemment. Du coup, tu veux gagner combien de PEV? Tu peux gagner autant de PEV que tu veux, c'est juste que c'est limité au nombre de cartes que tu as dans ton deck. Crois que je vais piocher genre 7, c'est une belle sélection. Ouais. Parce qu'on a déjà ah bah non, réanimé, ça marche que contre son deck. 5, Et donc ouais, t'as des ça petits. Tu vas garder tes dégage. petits flambeaux. Tu Un réanimate, du peux. coup ça dépend de lui. Donc on peut Ouais, tu peux l'enlever. enlever la deuxième aussi. Bah non, parce que s'il défausse ça, genre sur ça, c'est pas mal. Franchement, là, s'il défaut, s'il pioche, il prend l'enfer. Ouais, mais si jamais, on Ok. punit encore plus. Ok. Je vais garder un troll. Messe noire, je crois que... Je suis à combien de cartes là? 1, 2, Ouais. 3, 4. Enlève l'Octwine, en vrai, t'as pas Oui, besoin de j'ai pas besoin piocher, de quoi. piocher. Ouais. Je voulais garder un land d'étape, mais... Ça me bat pas le cul, nous? Après moi, le déluge. Ah ouais. En vrai, il peut discard draw 1. C'est ok. Il peut discard draw 1, il joue son Nicole Bolas, nous on lui fait sacrifier avec flamboiement, et derrière on le réanime. Ouais. Il a discard 2. Tue, Ping. tue seulement. Ping. Il doit se dire, qu'est-ce qu'il est méchant notre oppo. Ouais. Bah, je Cette... pense qu'il se dit pourquoi. Tu vois, il se demande, premier degré, pourquoi. On va jeter le troll, je pense. Ou la messe noire en vrai. Ouais, Si je tu sais jettes pas. l'un, tu jettes l'autre, quoi. Ou plutôt la. Ouais, plutôt le troll. Hein. Ok. Et flamboiement. Ah, c'est Sacrifié. non-token. Ouais. Intéressant. Ouais, mais. Oui. C'est pas Bon. grave. Ah, on Bon. perd le. Eh ben, c'est pas grave. Oui, mais c'est un peu dommage quand même. Je trouve ça un peu dommage. Écoute, 6 points, réanime. Pioche toutes les cartes de ton deck. Enfin, comment il bat ce que tu fais là? Difficilement. Au outrant. En plus, on a l'animation et tout. C'est le passage. On va juste remonter à 5 cartes en Pour. main. Tu fais quoi? Un petit 4 là? 4-5? Bon, à 5. 5? Ouais. Attends, j'ai combien de. 41? Ah, Ça j'ai vu. va, ça Ah, j'ai va. vu 11, je me suis dit merde. Ça va, tu peux y aller. 5, on fait une bonne sélection, ouais.
plutôt délicieux. Hein. Si tu l'avais Ouais. scammé en plus, c'était vraiment bingo, quoi. Enlever deux cartes. Tu peux enlever un marais. Ouais. Et il en avait marre. Ouais. Il a Ouais, vu Nécro que dominant, c'est vous Chariot. ne jouiez pas au même jeu. On jouait pas. Mais encore heureux qu'on n'a pas les spells gratuits, parce que nous, messe noire, nécrodomination avec les cartes qu'il y a en moderne, c'est délirant, je pense. Ouais. Heureusement, il n'y a pas Mestre en moderne, du coup. Ouais, c'est ça. À moins... Non, il n'y a pas Mestre en moderne. Non, non, il n'y a pas Mestre en moderne, mais heureusement que nous, du coup, on n'a pas aussi les spells gratuits. Fais Exact. voir son champ de bataille. Ouah, rien. Vital. 5-6 contrôle, Bah, genre. il a un jeu qui est très très fair, donc tu peux vouloir jouer les saisies dépensées s'il est très interactif. Ouais, c'est peut-être mieux que les push qui n'ont pas l'air d'attraper grand-chose. Ça attrape quand même Sorin, on n'a pas d'autre anti-bête. Sorin. Nicole Bolas. Ouais, non, je laisserai les push, moi. Je Bah, regarde ce on qu'on peut a enlever ça. d'autre. Ça. Qui l'attrape. Ouais. Est-ce que réanimation, finalement, c'est pas un peu médiocre? Bah, c'est. Quand t'as pas ça, t'es content de chagrin double. Hein. Ouais, je pense que j'enlève deux push. Tu rentres deux saisies? Pour deux saisies et En vrai, droit peut-être là. ça. Hein. Ça, tu peux l'enlever et tu peux mettre deux droits à la gorge à la place. Tu veux pas les Quand 4 saisies? même... Non, j'ai quand même envie d'interagir avec lui quand même. Allez, feu. Alors, je veux pas laisser son Nicole Bolas pouvoir se retourner et faire des bêtises. Il le tourne Ça m'emmerderait un et il peu. le retourne. Et il le tourne comme une crêpe, quoi. Ouais, mais ça va. On sait ce qu'il Ouais. joue et c'est gentil. Ouais, je garde, mais c'est pas zinzin. Ouais, c'est ok. Mais je garde. Franchement, maître archer et interaction contre un deck fer, c'est déjà bien. Peut-être qu'il y a une combo qu'on n'a pas vue. Ouais, mais il joue mec 10 pierre, donc à mon avis, il a pas une grosse combo. Peut-être pas. Je prépare mon fetch là. Oh putain, tour 3. Ça. Tu pouvais tour pour fetcher avec troll. Bah, je peux fetcher avec troll quand même. Oui, mais ça t'évitait de devoir choisir quel mana tu. Enfin, ça t'évitait de fetcher, mais oui, tu t'en fous en fait. Bah, si j'ai pas d'intérêt à fetcher, je peux faire. Tu peux trouver quoi? Non, je sais C'est pas que ce que tu peux marée. trouver, ouais. Oui, du coup, c'est pas très pertinent. En DC, j'aurais dit je fetch et je vais faire ça. Comme ça, je fais chercher les deux d'un coup. Bon, en papier, quoi. Oui, parce que je le fais Oh, ouais. en DC. C'est un peu plus rapide, ouais. Alors, ouais, il y a pas mal de choses qui sont plus rapides en papier, en ligne, mais pas tout. Bah, trop bien, tu vas faire maître archer fin de tour, tour Phyrexian, Shulred T3. Écoute, moi, c'est un plan qui me va Moi, très ça me très va bien. aussi. Ça me va. Contre lui, Shulred, ça a l'air pas Au trop bello. mauvais. Ok, fab. No Susai. Fin de tour, un point. Un point et je laisse le point de dégâts comme ça à mon tour, je le refais. Ça serait bien ça. Ah, tu lui fais Shaldred le tour où il doit piocher discard avec Fable alors qu'il est sur le play, c'est délirant. Je peux aussi attaquer, s'il est bloqué, je pouvais C'est du vraiment maître archer pour le Shulfeu. pattern de gameplay où sur la draw tu te prends Shaldred sur la résolution de ton deuxième effet de Fable et t'es deg, mais du coup sur le play ça pouvait pas t'arriver. Eh ben si. Et ben là si en Eh ben fait. si. C'est ça qui est stylé. On triche pas, nous? Ah non, on triche pas. Bah, un peu Enfin quand là même. on joue nos cartes quoi. Triche un peu, hein. Ok. Et jouer à l'upkeep, voilà. On va en remettre un. Ouais, mais du coup, il a rien fait, quoi. Ah, mais il a géré sur l'aide. Oui, mais ça nous va. On a fait time La all. chiche. Ouais. Ok, cette fois-ci, il a pas de draw 2. J'ai y mettre là quand même. S'il attaque? Ouais. Ouais, si tu veux. C'est vrai qu'on n'est pas un dégât Quoi près. que non. Bah, c'est vrai que s'il veut attaquer, t'as un trade. Donc tu Ouais. le évites de créer un trésor. Moi, je pense que c'est le bon play, ouais. En fait, je me dis si jamais il voulait land piocher des trucs, bah, il peut pas trop. Pas piocher une carte. Easy. Salut Sheldred, c'était un plaisir. Et il peut attaquer et push genre le token, mais moi je crois que je lui donne le maître archer. Ouais, mais dans ce cas-là, il a vidé toute sa main, quoi. Non, non, je pense qu'il fallait le mettre là, ce petit point, c'était très bien. Sacrifie, je peux pas faire troll encore. Non, tu peux juste attaquer avec ton drop 1 et voir.
S'il décide de bloquer, tu peux le finir Ouais. avec un. Il sait donc. Oui, mais. Il peut décider Oui, de. voilà, il peut décider de quoi. Sinon, t'as juste ton free point et puis GG, tu passes quoi. Tu passes, on fera Fatal Push sur sa fable ou droit à la gorge juste et puis ça ira très bien. Ouais. Pas plutôt push. Si t'as de quoi le trigger, ouais. Ouais, je peux sacrifier le token. Oh, ça le fait pas grossir, remarque. Bah, sacrifier le token, tu veux le garder pour troll, je pense. Ouais, il y a un truc qui sonne chez toi. On est d'accord, hein? Ouais, mais C'est pas nos c'est. téléphones. Non, c'est pas ici. Droit à la gorge sur son reflet, passe. Et si tu trouves un land, tu peux troll. Bah, je vais pas mettre archer dans la gueule là? Tu veux double maître archer ici? Ouais. Tu veux pas attendre qu'il pioche un que truc? Oh. Bon. Sinon, je peux sacrifier, ça fait 2 mana, pousser fatal, comme j'ai trigger, et mettre archer avec le reste du mana. Ok, vas-y. Vu que maintenant il nous a un peu empêchés. Il n'a plus de cartes en main, mais on a double orque sur le board. Et tu peux faire troll là normalement. Pas mal. Bonsoir. Tu Ouais, pas tues mal les trolls. en 2 tours du coup. Franchement, Tout. c'est abusé qu'il lui ait Tout. donné triple menace à ce troll. Pas mal. En même temps, c'est normal. Ben, il avait pas trop Un besoin, je troll dans pense. les cachots, je voulais vous prévenir. Un troll dans les cachots. Qu'est-ce qu'il joue avec Pactole, tiens? Oula. Bruh. 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 Pourquoi il a joué le Pactole contre lui? Je pense qu'il n'y a plus de cartes en main, il teste ça. Il s'est dit de toute façon perdu pour perdu. Ah, Je vais jouer mes cartes quoi. il sait quoi, je la jette. Oui bah elle est jetée elle. Hein. Jeter n'est pas jouer. Ah là c'est. Non si jeter c'est jouer, mais jouer c'est perdu là. Mais j'aurais voulu voir ce qu'il avait à mettre au bout du pactole. Ouais, qu'est-ce qu'il a au bout celui-ci? Relance Ah, ben donc. je relance donc. Un adversaire un peu plus timeless. Là il était Et il plus. était me plus pionnière. Plus ouais. Standard même. Un peu, hein. Ah, il y Pactole, avait. même 10 au Mais pied. des Hein. Ravelans, quand même. Il y avait des Ravelans. Ah, Ravelans, mais Nicole Bolas. C'est vrai. Ouais, mais Nicole Bolas, c'est plus du niveau du standard que du pionnier. Ah, il avait faible. Ah, c'est du standard banni. Ok, ça, c'est plus du niveau du Hey. pionnier, c'est vrai. Entre deux eaux. Mais c'est horrible parce qu'il avait fable et c'est exactement les cartes qu'on détruit avec notre deck. Hey. Donc, ça l'a pas trop aidé, le pauvre. Ah, c'est un adorateur de Grixis. On les connaît. Hein. Ah, il s'est dit comment on joue Grixis? Comment on joue Nicole Bolas? Tape mana. En vrai, pour jouer Nicole Tape mana Bolas, primaire. c'est le deck que je ferai. Hein. Mais effectivement, j'irai plus en explorer. Querb Stomp. Querb. Querb. Querb Stomp 70. Bizarre cette main. Ah ouais, ambiance chelou là. Tu fais tour 1 Sorin et après rien. Je peux faire tout un. Messe noire, chagrin. J'aime pas des masses. Moi non plus. Ok, du coup tu fais pas mon gars, je pense. J'aime mieux. C'est pas fou, mais j'aime mieux. Bon, je t'enlève un fetch. Ça Ça va, sert à t'as rien. interaction, drop 2 et menace. C'est pas dingue, mais ça va, tu Ça vois. se fait. Oh, t'as vu avec les bulles? C'est trop bien qu'il arrive le dragon. Il est arrivé au milieu des bulles. Ouais. Dragon blanc aux yeux bleus, hein. Oui, c'est vrai. Lui, c'est un autre jeu, ça, tiens. Bah écoute, parfait. On va pousser Fatal la bande d'Oslo. T'as vu le Boros qu'on a présenté Ouais. dans la dernière vidéo? Il y a des gens qui, dans ce Boros, jouent aussi le band d'Oslo. Eh ben, je comprends, c'est très bien. Ça fait plein de marqueurs énergie avec le Gardien des âmes. C'est un chat. Ça marche pour Adjani Et aussi. ça marche pour Adjani. Moi, j'ai préféré sans. Je suis pas certain que ça soit si bien que ça. Je trouve que c'est mignon, Ouais. mais peut-être pas assez puissant. Mais ouais, il y a des gens qui le font, Mais faut peut-être que savoir. c'est quand même meilleur que Argaban dans le deck. Je me suis dit qu'en timeless, vu que je voulais taper les decks show and tell vite et fort, je me suis dit Ouais. c'est pas bandeau sur le plan, peut-être qu'en moderne c'est mieux. Ouais. Il nous joue quoi là d'ailleurs? Et un délire un peu énergie. Oh, what the fuck? Alors, je sais pas où je suis tombé, je m'excuse. Ben, Sholdan, il va pas kiffer déjà dans l'énergie, tu vois. Ouais. Ben, Nécro domine-le. Hein. Il y a déjà Nécro domination Sholdan, il va pas kiffer, mais. Ah ouais, que deux? Ah oui, c'est vrai que tu gagnes pas encore le pioche. Oui, pour l'instant. Bah, au cas où ça se passe mal, C'est vrai, j'ai c'est pas vrai. été gourmand.
Et j'en trouve une, donc ça peut pas se passer mal. Putain, il joue Bande Énergie. Gros, j'adore ce format. J'ai hâte de voir ce que les gens Il se passe font. des... Oh, j'adore cette carte. Et je sais que t'adores cette carte. Ouais, mais il est gentil, encore une fois, lui. Hein. Que genre. Oui, mais les cartes énergie, elles sont gentilles jusqu'à ce qu'elles le soient plus. Gredin Raffineur, c'est quand même vachement cool. Non, putain. À chaque fois, je me fais prank. En fait, comme Dis ça d'habitude, ça fait parce une que pause. moi, à chaque fois que je joue en timeless, mes oppos, c'est Charbelcher combo, Show and Tell combo, Field of the Dead. Et je lui dis putain, là, il me fait plaisir, tu Là, vois. ça va. Allez, pioche un milliard de cartes, s'il te plaît. Si ça ne t'embête pas. 10. Oui. Comme ça, tu te sculptes vraiment la main qui le tue, quoi. Oh, tu peux faire plein de messes noires, t'as tout joué le tour d'après. Il Alors. faisait où de 8 cartes? Alors ça, Ça. ça. Enlève un peut-être un fatal. Un Sorin aussi, en vrai. Encore 8. 1, 2, 3, Garde 4. le chagrin pour retourner ton Sorin. T'enlèves une poussée fatale. 7. Et maintenant, qu'est-ce que t'enlèves? Là, T'enlèves je pas une garde messe noire de plus? Parce que de toute un façon, push, un chagrin. t'as rien gardé finalement pour jouer ta messe noire. Enfin, t'as Ah rien oui, je croyais de. que j'en avais enlevé deux. Donc tu peux enlever ça. Oh, la main, elle est bien là. Et là, est-ce qu'il veut pas te tuer Ah, mais avec j'avais Mar. deux push. Est-ce qu'il Attends. va. Il veut pas Ah, j'en te. ai trois. Ouais. Est-ce qu'il veut pas te tuer avec Marvel, lui? Ah non, il joue multicolore. Ah ouais, c'est dingue. Tu peux flamboiement sur ta Sholdred. C'est pas incroyable, mais. Ouais, est-ce qu'on veut qu'il utilise de l'énergie ou pas? Je crois que c'est mieux. Tu préfères le lui faire Ouais. utiliser énergie? Il passe à 7, il utilise 5. S'il veut D'accord. faire des trucs avec Marvel. Donc ok. Parce que là, il joue clairement énergie. Ah bah on a compris, oui. Il y a un plan quoi. Bon, nous on va juste tuer Bande d'Oslo et Gredin Raffineur, ça fait pas très peur pour le coup. On va le tuer avec Sorin. J'ai tué Trigger. Double Tocasia, mais attends, je suis. Il me perd, hein. Donc là, je peux faire ça. J'exile flambement, je crois. Ça est exil flamboiement, ouais. Ah, mais il faut que tu trouves. Ah oui, non, mais Non, c'est. ça va. Ah oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu fais juste X égale 2 sur Gredin Raffineur. Oui. Oui, ensuite tu fais juste Fatal Push sur Bande d'Oslo. Bon, j'attaque d'abord, non? C'est vrai. Il peut décider de bloquer. Ça n'a pas l'air très bien de son point de vue, mais. Ah oui, non, tu peux juste le tuer avec ton Sorin, c'est ça que tu veux dire? Bah ouais. Bah est-ce D'accord, que ok. j'ai envie de tuer avec Sorin? Bah, je crois pas, puisque tu veux juste Non. te débarrasser de cartes de ta Il main, peut là. décharge galvanique, donc... C'est ça. Je crois que tu veux juste faire une food. Mais j'aurais pu... Non, je refuse. Tu veux garder push? Bon, je Ok. vais regarder mes noirs faire un autre spell, potentiellement. Et là, par Hop. contre, tu veux piocher pas mal, quand même. Au moins 6-7, histoire d'avoir la main bien taillée, tu vois. Ouais. Par exemple. Roll, ça s'en va. Et ça me Chagrin, saute. non? Chagrin, c'est pas Chagrin, bien? c'est pas rené? Ben, au moins, on sait ce qu'il fait, quoi. Moi, j'enlèverais Ouais. messe noire. T'en fais rien de ta messe noire, en vrai. Oui, t'as raison. En fait, pour moi, messe noire, c'est nécrodomination tour 1. Ouais, le Après, ça reste. dégage, tu vois. Ou Chagrin tour 2. Ou Sholdred tour 2. En fait, je veux comprendre ce qu'il fait, parce que si peu, il nous prépare un combo, on n'est pas au courant, tu vois. Et même si on venait à Ouais. gagner la 1, on pourrait perdre la 2 sur ça. On va pousser Fatal, mais Plus tard. en rituel, ouais. Il joue peut-être Bante énergie midrange. Ouais, mais ça serait vachement gentil pour le format, s'il faisait Ouais. ça. Là, on platine. Un peu joué, quoi. Ouais. Il a peut-être un peu joué en standard et 4C c'est tout le énergie. truc. Ok. Ah, il pioche plein de cartes, hein. Faut qu'on le shouldred, le monsieur là. Oh, c'est bien ça quand tu le trouves là-dessus. Ouais, c'est Ça kiffant. fait de l'énergie. Alors, Pousse fatale. je veux scammer d'abord. On commence par scammer ou on le joue juste. Non, juste on scam? Je commencerai par scammer, ouais. Mais du coup, on garde pas chagrin, c'est ça que tu veux dire. Ah, tu voudrais la jouer en créature? Bah, je me pose la question. Bah là, c'est un peu chaud, hein. Ok. On n'a que 4 mana. Vas-y, vas-y. Je l'évoquerai environ ça. Oui. J'ai pas l'impression que ça marche bien. On peut. Tu peux stalker, ouais.
En fait, tu veux trouver Sholdred, c'est elle qui te permet de tuer dans le deck. Ah, il a un combo, c'est sûr, Ah, avec donc il y a combo Acererak. Acererak. Ah bah oui, c'est On va lui enlever du le coup. truc vert là, Ouais, à Primal Mind. l'Urène. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ouais, du coup, on enlève Primal Acererak. Prayer, pardon, pas Primal Mind. Ça, c'est hyper chiant par contre. Bah, pousse fatale la première, ou juste prends ton food et fais Sorin dessus. Je peux pousser Fatal ça. Ouais. Tu peux extorquer, faire troll pour aller chercher un land de plus. Ouais. Ah merde, ça marche là-dessus? Je crois que c'est non token. Ouais. Ah, c'est con ça. Ça va être dur pour nous de battre ça si on trouve pas Sholdred très Ouais. rapidement. Moins 1 sur ça, du coup. Que moins un? Bon, enfin, moins 1, ça fait 2 dégâts. Ok, d'accord. Ah oui, je croyais que c'était non token ça. Et troll, il faut qu'on aille piocher des cartes. Ouais. Pour trouver une de nos trois Sholdred. Donc là, tu peux piocher. On est à 28, tu peux y aller, hein. Piocher 7, quoi. Et toujours up, malheureusement. C'est un peu dommage. Ouais. Combien on a, il nous reste de cartes dans le pack? Il nous en reste 24. On a les deux Sholdred, en vrai c'est à peu près les Il y a 3 deals. Sholdred dans le VAC. Ouais. Ouais, il y en a 2. Une chance sur 12. Ah, il pioche bien. Ouais, mais c'est pour ça, avec Sholdred, il se ferait un petit peu se cagasser, quoi. Ouais. Il est joli son dos. Il a un bon dos. Hein. Ouais. Là, nous allons porter chance. Là, nous brille. Je pense. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Il manquait le poteau. Le clou du pestacle. Ouais. Il va jouer ça. Je vais buter sans réponse. Toi. Ouais. Oui, tout à fait. C'est vrai que Maître Archer, ça le défonce aussi dans son plan de jeu. Ouais. Mais elles sont où les cartes qui nous font du bien contre lui? En Tu le fait. sais, toi? Ben, je sais pas, non, je te demande, hein. Je comprends pas. Je comprends pas. Boum. Bon tour, ça c'est sûr. Tu as pingé juste le raptor là, c'est ça? Là, je peux faire maître archer. Maître archer, ensuite tu prends une food. Parce qu'il faut. Enfin, ça c'est chiant, quoi. Ouais, complètement, mais est-ce qu'il faut pas le faire en réponse plutôt? Tu veux pas d'abord tuer moi Attends, d'une il est obligé moi? ou pas? En Ah, il est fait. obligé. Donc si je fais ça, je tue. Bah. Ah Oui, non, c'est. moi j'aurais tué voix du renouveau, et au moment où il y a le trigger du repop, je Ouais. ferai maître. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, Donc là, faut il que faut je d'abord que gagne tu prennes ta food. ça. Tu fais moins 1 avec ton Sorin. Alors, attends. Ouais, tu penses que t'as besoin du. T'es jamais. On sait jamais. Ouais, tuer ça. Oui. Confirm. Résolution. Et là. En réponse. Très guerre. Hop. Peux extorquer parce que Je t'auras vais plus de mana. extorquer, ouais. Tu peux extorquer de 1. Tu peux tuer aussi le gros d'un refiner si tu veux. Ouais. Je choisis. Ah, je choisis sur quoi je j'amasse. Ok, c'est rigolo ça. Donc là, c'est bon. Résolution. Là, je peux pinguer ça plutôt, qui grossit. Ben, ça va lui faire des énergies en arrivant en piochant Lequel? pour Primal Prayer. Vu qu'il a un plan, tu sais, à l'Uren, il faut peut-être enlever la carte qui a un ETB. Ah, parce qu'il peut le reprendre en main. Je suppose, hein. En fait, normalement, c'est assez rare que tu fais l'infini. Ouais, mais Avec le garde des âmes est-ce et à qu'il peut pas l'Uren. faire des bêtises avec ça? Je sais pas, hein, je pose la question. Je peux lui enlever au cas où. À mon avis, il doit avoir des moyens de faire des values parce que. Même si ça ajoute de l'énergie, Grodin Refiner, c'est quand même faible si jamais tu fais pas une synergie de Ouais. blink avec, quoi. Trop de cartes, je vais piocher juste 5, je pense, là. Bah, faut vraiment qu'on trouve Sholdred, quoi. Donc en vrai. 6. Elle se cache bien. Une sur 9, maintenant, de la piocher. Faut que j'enlève 2, donc 2 terrains.
I guess. Oh, tu peux enlever troll, je crois. Ou réanimation. Ah, troll, on peut le caster là. Ah, mais si tu le casses, tu passes tout ton tour à faire ça, non? Ouais, mais c'est pas très grave, non, avec tour ça va. Je crois que réanimation c'est moins bien. Y a rien à réanimer de bien chez lui? Genre Oslo, ça fait rien? Bah, c'est une 1-1. Ouais, mais quand t'as l'agrément de la cité, ça fait quoi? On gagne des PV, nous, donc. Ça fait que quand on fait des jetons, on fait deux fois plus. Ok. Genre lui y compris? Ouais. Ok. Non, Ouais, ouais, je sais si. pas. Non, c'est peut-être bien, ouais, t'as raison. J'enlèverai le J'enlèverais troll. troll, moi. Dans l'idée. Ouais, en vrai, non, j'aurais dû enlever deux landes, je crois. Parce que le troll, c'était un land au pire. Ouais, mais faut le payer, quoi. Je trouve qu'on est un peu contraint sur la mana à chacun de nos tours. Ouais. Là, tu seras peut-être C'est content non-jeton, de. ça? Ouais, sinon, jetons. Non, c'est juste le truc le plus cher, mais bon. Ah oui, non, mais par contre, toi, la source à sacrifier, c'est non jetons. Ah ouais. Oui, mais oui, tu peux lui péter son jeton. Hein. Y a pas de problème, à ce qu'il faut. J'ai envie de sacrifier pour tuer ça. Ouais, vas-y. Ça Enfin, suffit, à il a voir pas son si jamais il énergie. passe en phase d'attaque ou pas. Il veut peut-être jouer en main phase 1, ça nous arrangerait. En tous les cas, dès qu'il va jouer une bête, ouais. Dès qu'il va jouer une bête. Et mais t'aurais pu y répondre. En fait, s'il a un anti-bête rituel, par exemple, tu pouvais l'attraper de sûr, quoi. Oui. Mais bon, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup d'anti-bêtes rituels. Il doit avoir la Non. prison. Il doit avoir la prison blanche, quand même. Prison statique, ouais. C'est ça. Après, le deck est quand même stack là. Hein. On a vu beaucoup de cartes différentes. Pas sûr qu'il en ait ou qu'il en ait beaucoup. Ouais. Là, il pourrait partir en combo. Potentiellement, ouais. Même si on peut interagir avec flamboiement de malice. Ok. Ah, malheureusement, il en drop 3. S'il n'y avait que Serrera qu'on peut lui Mais faire sacrifier. c'était sûr hein, qu'il jouait combo. C'était trop bizarre son deck. Je vais tuer le Raptor. Ouais, vas-y. Vous avez tué des raptors? Vous avez tué des Raptors? Vraiment, cette vidéo, c'est pour la science. Hein. On découvre ce qu'il fait. Mais il doit avoir des nadus, du coup, lui, non? C'est pas OK dans son plan? Il a rien Bah, pour le il cibler? cible pas, ouais. Non, il a rien pour cibler. J'ai vu des versions avec nadu et Primal Prayer à la C'est vrai fois. que là, quand on a la carte qui marche bien dans le match-up, ça c'est agréable. Hein. Bah, c'est mieux. Hein. Ah, c'est agréable. Je mets un fou. Bien Je sûr. mets un fou. Je mets un fou aussi. Ça va mettre une tartine. Hein. Ouais. Ah bah j'espère bien. J'espère C'était bien là pour que. tartiner. J'espère bien que ça va tartiner, dis donc. Ok, non, je pense qu'on a un peu vu tout le deck, on a un peu compris ce qu'il voulait faire. Hein. Alors, on va lander ça déjà. Tu veux réanimer quoi déjà? Dans son package. Son chat. Allez, réanime donc le chat. Chat, c'est bien. Ça c'est cool. Oslo, la terre. La terre Oslo. Oslo la terre. Est-ce que t'as l'agrément de la cité? Oui. Oui. Donc maintenant on va prendre un food pour gagner les points de vie. On n'a pas envie de tuer Sorin. Pas très grave, sa voix du renouveau, c'est ok. Je vais lui mettre un coup de Tu vas lui 7-7, hein. mettre un coup de 1000. Et tu vas aller lui enlever la combo si jamais il essaye de nous tuer le tour d'après. Hein. Ouais. Ah, mais attends, non, il faut que tu payes en sac. Allez, sacrifie 7-7, fait chier. En fait, tu triggers pas la bande d'Oslo là. C'est pas grave? Bah si, j'ai gagné des points de vie. T'as gagné les points de vie en J'ai extorquant? extorquant. Ah oui, c'est bon, J'ai ok. extorquant. Ah oh, oui, c'est bon alors. Pardon. Si t'as extorqué, c'est bon. De toute Je façon, au joue pire, comme tu ça. extorques avec chagrin. Bah, si t'es sûr d'avoir extorqué, c'est bon. Sinon, faut payer avec Oh, je la. suis sûr. Alors, c'est bon. Tu es bien sûr de l'avoir extorqué? Oh, je suis sûr. Bah, tiens, regarde. Je refais. Et là. Bah, tu peux pas. Enfin, ça va pas te plaire ce qui va se passer. Non, non. Ah, bah d'ailleurs, attends, j'aurais dû mieux payer. Quoique dans ce mana, il peut être utile. Il en a deux malheureusement. Ah. Bon, après, il fait rien. Il n'y a pas de bête là. Pour l'instant, il fait rien. Ok, bon, ça a été difficile hein, finalement. On va quand même piocher encore un peu. Ouais. Genre, un peu plus même. 4. On se met la main full. Ouais, 4, on se met la main full. Ah, bah quand même. Réanimer, c'est marrant. Ah, on a fait deux fautes du coup. Avec Sorin. J'avais pas vu. Enfin, j'avais pas vu. J'avais pas pensé. Il peut peut-être partir là en trouvant. Alors, ça dépend. Si sa combo lui fait piocher des cartes, d'où le maître archer, ça va le défoncer. C'est vrai. Là, faut qu'il trouve bien. Il n'y a qu'une carte qu'on connaît pas. Maître Archer là, en réponse? Pas encore, je pense. Ok. Quand il va devoir jouer une bête et que ça va faire trigger ça, là je le joue. D'accord.
Il n'est pas tout à fait prêt. Pas tout de suite. Bah c'est perdu ça, non? Il est full table là? Ouais. Enfin avec prière primordiale pour encore faire des trucs, je Là, crois. je crois que je le fais. Oh, tu sacrifies des chats. Mais ouais. Tu sacrifies des chats aux Ah orques. merde. Mais quoi? Bah, je me rappelle pendant son tour, il allait trigger avant. Ah oui. Ouais, t'en as quand même un qui vient punir, quoi. Je tue un des trucs ou pas? Bon, je crois Peux que tuer sa je bête. vais tout face, Two moi. face. Ouais. Enfin, je suis pas sûr d'avoir raison, mais Two comme je sais face. pas ce qu'il fait, je vais tout face. Et là, tu peux peut-être le flamboiement, je pense. Pour lui péter son Grading Refiner. Bah, vaut mieux pas que je garde. Ouais, de toute façon, c'est ça qui va T'enlèves sacrifier. chagrin, quoi. Il est obligé de sacrifier ça, en fait. Et c'est la seule carte qui doit lui permettre de combo, j'imagine. Non, c'est Acererak. Oui, mais moi, j'ai peur qu'il fasse des trucs avec autre chose qu'Acererak. C'est garde des âmes Acererak. Ça, La c'est le combo combo. qui l'étale, mais est-ce Ouais. qu'il est pas capable de faire d'autres choses? C'est ça, mon gros pour moi. Je ne sais pas, écoute, non de doute. Au moins, il arrête de trouver potentiellement des solutions. Ah bah il est mort. Et normalement, c'est bon. Prends, il pioche. Ok. Quelle belle carte ce maître archer. Ah bah contre lui là c'était déterminant. Il peut encore jouer des bêtes en flash. Bah non. Il peut plus. Ciao, Quaver Stomp. La mitraillette. Alors, qu'est-ce qu'on veut contre le monsieur? On veut lire Acererak. Renvoyez-le dans la main de ce propriétaire. Ok, donc. Ça fait gagner du temps. Ouais. Je crois qu'à part saisie des pensées, on veut absolument rien. Ça, c'est pas mal, hein. Quand il fait Acererak, si en réponse on dit, bah je le tue. Ouais, mais tu peux déjà le faire avec poussée fatale assez facilement, je pense. Ouais, ça dépend à quel point on fire la combo. Est-ce que tu penses qu'il faut Peut-être rentrer saisie, les c'est bien. saisies? Ouais. Ouais. Ouais, parce que si tu lui enlèves le bordel à En l'urène, fait, là. de quoi on n'a pas besoin? Parce qu'en vrai, pareil, à Acererak, tu réponds avec flambement gratuitement, donc. Non, pas trop. Bah C'est la créature la plus élevée, elle coûte 3 comme. Ah, si un Grudding Refiner, il a le choix. Moi, j'enlèverais peut-être 2 flamboiements. Ok. Et qu'est-ce qui est Mouligas contre lui Réanimation, c'est pas brillant. En fait, c'est brillant que quand tu le scams tour 1. Ouais, mais c'est quand même pas mal de pouvoir faire C'est ça. bien de le Je pense scammer. que j'enlèverais 2 marches. Ça trigger avec ton Sorin, hein. C'est C'est comme pas. ça qu'on l'a retourné. Pour empêcher la combo, c'est 5 pour Acererak. Ah oui, ça n'empêche Donc. pas la combo. Ok, c'est plus pour ton plan de jeu proactif, mais vas-y, tu peux les lever. Je pense que j'enlève et tant pis. Ok, vas-y. Je pense que de toute façon, même si notre deck il est pas très adapté au sien, je pense qu'on n'a pas trop de side et qu'on n'est pas adapté. Je pense Ouais. que le power level de son deck est pas très haut par rapport à ce qu'on fait. Bah, il peut turbo combo, mais. Mais il passe très très mal autour de Shieldred et de Maître Nous, si on Archer. a ouais, la 8 ou la discard, il a Ouais. du mal. Mulligan. Enfin, je peux mettre Archer, le réanimer 2 fois. S'il le tue, ça marche. S'il l'exile, ça marche pas. Il peut l'exiler qu'avec la prison qu'on n'a pas vue en main deck. Tu veux que je tente? On a très peu de land dans le deck, hein. On a de très grandes chances de trouver des cartes avec eux. Vas-y, tente-la. Tente-la, tente-la. Puis tour 1, il fait oh mince, je discarde une bête. Bon bah on a gagné. Ouais. Oh mince! Oh. Je peux rien jouer. Discard. Ah bon, bah, très bien. Intro directement. Voilà, un troll dans les cachots, je voulais vous prévenir. Intro dans les cachots. On fait ça, on va chercher notre bibliothèque, il nous met le 13. Je préfère vous prévenir. Il a switché le Il deck. a switché de deck. Ah, j'ai un side de 40 decks. De 40 cartes, pardon. Oh, le Imagine. side de 40 decks. Tu peux juste prendre le Alors, deck que tu veux en ça vaut fonction. hyper cher, mais Mais stylé, bah, hein. tu gagnes tous les tournois. Stylé de fou. Ah ouais, tu joues Meul? Tiens, je te sors mon deck de 250 cartes. C'est juste, j'en ai pris 3. Voilà, je les ai mis les uns sur les autres. Bon, ça va les terrains, c'est bon. Eh ben, tu sais quoi? Tu sais quoi? Je crois que tu gardes quand même Maître Archer Orc up et tu feras réanimate. Je peux tour Phyrexian, mettre Archer Orc. Ah non, je fais rien d'autre. Ouais, ça marche pas ce tour-ci. J'ai bien envie de mettre ça, moi, de besogner. Hein. 3 tours. Et tu mettras Archer le tour d'après? Hein. Ouais. Franchement, c'était dans l'ordre que je te dis, tu le fais juste le tour d'après, Troll de Khazad-dûm. Non, je sais, j'ai mieux. Voilà, regarde. Je fais ça. Ouais. Je réanime Troll. Et Et si je ça le sais. tourne mal, je sacrifie, je fais mettre Archer. C'est chiant quand même. Ben non, je réanime encore. Ok. Eh oui. T'as pas pu bien fini quand même. C'est bon, c'est bon.
Mais bon, fais confiance, fais Ok. confiance. Faut vraiment que ça tombe très mal pour que tu fasses ça. Ouais, mais je peux. J'ai l'opportunité. Faut que ça tourne à la catastrophe même. Bon, Zeiju, très content de voir ce beau Zeiju. Ah bon? Il n'a pas de prénom. Ok, bah, ce sera une bonne cible à mettre. Maître, oui maître. Oui, Oh! maître. Bon, 6 points. S'il le permet. On va pas nécrodomination, je crois. Pas tout de Non. suite. On va attendre de voir ce On que Dan perd. les propose. On perd juste une carte. Je suis curieux. Parce que là, je mets Moi encore deux aussi. coups et un point, c'est bon. Hein. Le Oui, compte, il est très bon. tout à fait, tout à Le fait. compte est très très bon. Ah, si tu peux faire un petit Gredin Refiner, ça nous va très très bien. On peut pas bloquer ces bêtes avec notre troll. C'est pas grave. Elles sont pas là pour ça. Je pense que le troll ne sait pas bloquer de toute façon. Ouais. Ah, mais bah regarde, regarde la gueule. Évidemment qu'il bloque pas. J'ai fait tour 2 troll en DC. J'ai gagné. Sans surprise. Mais c'était close. T'aurais pu faire tour 1 si tu jouais messe noire, mais je pense que c'était pas le cas. Je joue pas mes snores dans Simput. Avec Pétale de Lotus, t'aurais pu. Oui, c'était bad. Mais c'était bon. Ah, plus que 2 coups. Parfait. Comme ça, mon maître archer pourra pinguer au lieu de Au lieu d'aller la face. face. Là, il joue ça à l'Uren. Est-ce qu'il nous combo la tête S'il instantanément? a les deux cartes de combo, on peut mourir. Oui. Je prends ce risque malheureusement. Bah, on peut pas faire grand-chose. Hein. Ah mais non, mais il faut qu'il ait à la Là, il fait fois carte Soul des âmes assez Guide. rare, Ouais, c'est bon. c'est ça. Il faut qu'il ait à la fois Soul Guide et. Ok. Oh, double effet de Denley. Hein. Ouais. Donc il gagne 2x2. Putain, c'est trop bien. Ouais, fais voir ce qu'il récupère. On s'en fout, on va le réanimer. Ouais, vas-y, tue. Et du coup, je pense que tu fais juste mettre archer fin de tour sur Raptor. Vous avez excité des Raptors? Pas trop un gars qui passe sous le Raptor et qui. Il explique le Ouais, arrêtez Raptor. d'exciter les raptors, putain. Ils sont intenables. Horrible, hein? Alors, je vais pas tuer le raptor si tu me permets. Oui, non, vas-y, puisqu'il décide de faire des bêtises, n'hésite pas. Ça n'a pas Je vais l'initiative, ce faire. truc. Ça n'a pas d'initiative. Ça a une tête d'Edley à avoir l'initiative. Créatures que vous contrôlez de force inférieure ou égale à 2 ne peuvent pas être bloquées par des créatures de force supérieure ou égale à 3. Bah, ça ne change rien en Ouais, fait. non, compris non plus. Enfin, c'est pas grave, hein. Hop là, pas pu. Mort. J'adore le fait que tu vas juste faire je réanime troll, nécrodomination, fin. À toi. Trop bien. Enfin, tu seras à 8, donc tu feras quand même un peu attention, mais ça va quoi. Ouais, mais ça va. Oh, je pense à Danny. Attends. Oui, ça fait double ping, mais je te vois. Ah oui, tu préfères? Non, s'il fait anti-bet, t'as tout perdu, quoi. Ouais. Oh putain. Ah, tu peux plus trop piocher, mais. Mais non, il faut que je sacrifie un des deux. Ah, oui. Je viens de capter. Bon, je crois que je préférais quand même troll que Oui, nécrodominance. moi aussi. Surtout avec les PV qu'on a. Non, vas-y, en vrai, on est encore là. Hein. On est Allez, encore là. go. Et puis au pire, bon, bah, on jouera une troisième game, qu'est-ce que je vous dise. Il est pas parti en combo, c'est que je pense qu'il l'avait pas. Là, une carte, c'est sûr, il peut pas. Ouais. Et il peut pas attaquer non plus d'après mes Ça va estimations. être une fin de tour, c'est bon. Bon, c'est bon, on l'a compris par contre. Je me suis bien fait compris. Ouais, vas-y, Nécro. Enfin, tu mets 6 points, quoi. Il y a une gestion encore à troll. Ça, vous êtes lourd Ouais, c'est tout pile en plus, hein. Donc là. c'est. Putain, fait chier, quoi. Attention à pas trop piocher quand même, mais. Ouais. Pioche combien, là? Donc là où il est anti-bête, je pioche que 3. Ça c'est anti-bête on est mort. Oh, ça va. Oui, c'est bien comme ça. Non, plutôt ça. Tu dois te défausser que d'une. Ah oui, je crois. Moi je veux tout virer. Ok. On peut toujours réanimer un troll, même si ça a l'air moins bien tout de suite là. Bah, tu choisis ta mort, tu fais ça. Oh, c'est nul, double prière primordiale. Trop bien. Trop bien que ça soit Trop nul. bien, c'est nul. Trop bien qu'il soit nul son deck. Eh ouais, forcément. Pourquoi il n'a pas attaqué avec Voix du Renouveau aussi? Je ne bloque pas.
Je vais flamboyir. Ouais, mais il va juste sacrifier la voix et on n'est pas bien en vrai. Dommage. Vraiment On pas pioche bien de là. la merde. Ouais. Je peux flamboiement ça, puis flamboiement. Il a un token 0, 1-1. On peut piocher une carte. Vas-y, hein. C'est un plan qui est exécrable mais qui fonctionne. Je déteste ce plan. Tu m'entends? Ah non, s'il sacrifie voix, je peux faire un truc cool. Je peux réanimer voix. Ah non, ça suffit peut-être pas de réanimer voix. Bon, de toute façon. Allez, ciao la voix. Ici, la voix du renouveau. S'il a pas anti-bête, tu peux réanimer voix et tenir un peu. Ouais. Ou je peux. Ah non, ça marchera pas. Non, tu peux pas, ouais, faut le lancer. Tu as un, je peux plus piocher par contre. Je suis lock. Sauf si tu trouves Sheldred. Enfin, elle te permettra de remonter un peu et de pouvoir le Bah commencer à le non, là faire. je passe à 1. Si je prends voix. Ah oui, ah, donc du coup, il faut pas. Donc en fait, je vais piocher Hein. une carte en espérant qu'il trouve Ok, pas. ça me va. Une bête, tu veux dire? S'il trouve une bête, on est mort. Ouais. Hein. Ouais, Ok. mais de toute façon, Ouais, vas-y, c'est le ok. problème de Nécrodominant, ça. Hop. 1. Ah, c'est de la merde, on l'a perdu. Ouais, je peux jouer que les cartes dans notre main. Il nous coûte toutes des PV. Vas-y, ma mort quand même. Oui, par avec fierté. C'est dommage parce qu'il avait rien fait. Il a rien fait, mais nous on était bloqués par le piocher que de la merde. Genre que de la merde. Du coup, c'est quoi qu'on veut pas dans ce deck? Non, mais c'était bien, c'est juste trouver ça, ça. Comme la game 1, hein, Sholad, elle était où? Allez, vas-y, vas-y, repars. Ah, je veux dire, je peux quand même rappeler qu'on peut faire Messe Noire Sholad contre un mec qui interagit peu et qui pioche plein de cartes. Il fait des grosses galvaniques, mais. Et il y a trop de cibles, tu vois, il faut attraper aussi tes maîtres archers, quoi. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, il nous donne pas mal de fil à retordre, c'est marrant. Je crois que ça se garde. Ça se garde, tu fais chagrin tour 2, c'est ok. Ouais. Tu joues juste ça, taper. Taper? Pas taper. Par contre, il n'y a que deux flamboiements dans ce putain de deck, et on les a tous, hein. Oui, il n'y en a que deux, hein. Il n'y en a que deux, mais ils sont Et ils tout le sont temps là. là. Ouais. Oh bah tiens, non, tu vas tuer une bande d'oslo si ça t'embête pas. J'y vais, chef. Tue seulement. Ça a l'air chiant, ça. Hop. C'est bizarre parce que c'est pas giga synergique avec son deck, hein. C'est Non. juste. Ça décuple le nombre de marqueurs énergie, c'est ça? Quand il a le. J'imagine. Non, ça fait juste plus de jetons. Ah, pas plus de marqueurs. Ah, guide des âmes, ça fait plein de marqueurs énergie. Ok. Garde des âmes, je sais jamais ce que c'est. Commence à me bander avec ces voix C'est du relou, hein. renouveau. Ok, bah en vrai je ferai Messe Noire Chagrin. Je jouerai une fondrière. Qu'en penses-tu? Oh, regarde, je le fais là. T'en penses? Allez, vas-y. M'en fous. Tu t'en fous? M'en fous, je le fais. Voilà, mais elle est chargée, calibrée, Oh, mais hein. il a pas de land. Il n'y a pas de land. J'enlève guide des âmes, une partie de la Il combo. n'a pas d'énergie, donc il peut pas caster ça là. Ouais. J'enlèverai guide des âmes. Ouais. Et on va espérer qu'il pioche mal. Et que nous on pioche Pas bien. un land. On n'a pas trop de time là pour la dernière. Ah oui, on a beaucoup pris de temps, 8 minutes, 22. Quarb Stomp. D'habitude Sur celle-là, abusé, hein. on se plaint des oppos, mais là. Ben, en vrai c'est pas facile parce qu'on connaît pas son deck. Ouais. Et notre deck, il répond juste pas bien du tout. En fait, on joue mono noir, donc c'est très P3 comme potentielle réponse. Je crois que tu peux full attaque et faire réanimation pour remettre un marché, un maître archer dans sa tête. Ou alors tu, au cas où il a une gestion, tu gardes ta réanimation. Oh non, j'y vais là. Ok. Nice. Je mets ça en land. Je crois que tu peux mettre ça en land, comme ça tu paieras tes flamboiements. Ah, j'aurais pu payer. Ah bah non, je vais pas le faire pendant son tour. Ok. Ah, il trouve pas de land. C'est bon, il trouve un land, mais il peut pas payer le double Peut blanc. pas jouer ça, ni ça. Je vais donner. Il peut jouer le Denley, qu'on va faire sacrifier, hein, tout simplement. Ouais.
Et on va continuer à bourrer. Ok, sacrifice. Peut-être je joue ça. Bon, J'enlève son cimetière, je sacrifie. Je crois que c'est mieux de faire sacrifier Denley dans tous les cas. Ah, tu veux d'abord jouer ça et le sacrifier? Ouais, mais en fait. Ouais, non, je crois que. Je vais sacrifier maître archer et le réanimer, je crois. Non, je Ou vous scam. paye le A5. Ah, je paye juste à 4? Ouais, je l'aurais fait comme ça, moi. Non? Ouais, c'est vrai. Je l'aurais fait comme ça, et après je bourre juste avec scam, quoi. S'il bloque, je peux aussi payer 3 points de vie, réanimer Ah, archer et vas-y, alors, ping. fais-le, fais-le, fais-le. Cette fois, il le fait. C'est marrant, il est pas cohérent jusqu'au bout parce qu'il a pas fait Ouais. le tour d'avant. Doit penser qu'on n'a pas de. Pas de moyen de De faire des tricks, bêtises. mais. Bon. Eh ouais, c'est fort. Oh, je suis sacrifié. Oh, je J'en arrive resacrifie le plus. maître orc. Est-ce qu'il trouve un deuxième mana blanc? Je Est-ce que pense pas. son 4C avec des doubles colorés va brick sur les landes? Ah bah ça c'est Ah, horrible contre lui. parfait ça. Ça nous va très très bien. T'as dit ça, c'est horrible avec un énorme sourire, voilà, je l'ai Ah bah entendu. oui, je suis très heureux. Très très heureux. Phase d'attaque. Moi je suis team, j'attaque avec tout sauf Maître Archer, je lui réanime une bête, je lui propose juste un board. Ouais. Qui ne saurait solutionner. Qu'il ne saurait solutionner exactement. Enfin je sais pas, regarde quand même ce qu'il a quand on réanime pas n'importe quoi, mais. Bon, Delnay qui double les triggers. Nos Vas-y, pioches. vas-y, vas-y. Et là. Et je peux faire ça en Tu peux même éphémère. interagir en éphémère, parfait. Au cas où. Ouais, désolé, désolé, Cropstomp. Encore une affaire rondement menée. Dis-moi combien on a perdu de game ce matin sur cette session de tournage? Une. Eh ben ça fait chier qu'on l'ait perdu. Ouais, je te le dis. On en a perdu une? J'ai un doute. Je crois pas. Si, dans cette vidéo. On a perdu la première? On n'a pas perdu. Hein? Ah non, 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 il jouait. Je sais Il plus. jouait Grixis gentil. Ah ouais, c'est vrai. Bah, je sais pas. En tout cas, j'adore le deck de l'Opole hein, qui vient de nous jouer. Ouais, je trouve ça un peu mignon, moi. Un peu mimes, mais t'aimes Ouais, pas ouais. ce qu'il te propose? C'est devenu plus fort au fur et à mesure Ouais. que je pouvais pas trop répondre à ce qu'il faisait, à part Bah, avec mon Norkish c'est Bowmaster. ça. Et je pense quand même qu'il est un peu gentil pour le format. Un Genre, tu peu vois, gentil, ouais. Schoentel, il affronte ça, il est en mode. Oui, il Mais fait. Ah, tu combos lentement? Moi, je combo vite. tous les joueurs de Schoentel, de toute façon, ils sont comme ça. Ouais. Tour 2, j'ai gagné. Ah, bah, bien joué. Bon, cela dit, je pense qu'on est un peu mignon aussi. Ouais. À Donc. quoi que tu peux répondre à la combo de Chuentel et combo en éphémère aussi. Tu peux, mais tu pars pas plus vite que lui. Eh ben oui, mais s'il te fait Chuentel et que du coup tu mets ton Tu joues Aluren, ton Aluren tu et peux tu pars répondre. en. Ouais. Ouais, peut-être. Ça peut, ça peut. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec ton chaîne Twitch, ValpelmagicArena.fr. Et surtout, n'oubliez pas, c'était C'était de de la la belle belle magie. magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.